How has been life lately for you? How is everybody loving you? How is everything turning out for your good? Do you know you are amazing? Do you know good things are coming your way? Do you know you shouldn't worry about anything? Do you know you're not here by mistake? Do you know you shouldn't worry about your future? Just relax today. Do you know everything is already taken care of? Do you realize how much you are loved? Breathe with me. Breathe in. Breathe out. Don't worry about me. I'ma be okay. I go G-O-D all over my life. Est-ce que vous savez que vous ne devez pas vous en faire pour quelque chose? Est-ce que vous savez que vous avez été créé pour le bonheur? Est-ce que vous savez que vos inquiétudes ne vont pas résoudre vos problèmes? Est-ce que vous savez que vous méritez le bonheur tous les jours de votre vie? Je ne suis pas là pour les questions. Est-ce que vous savez que vous méritez le bonheur? Est-ce que vous savez que vous n'avez pas besoin d'accepter qu'on vous traite mal? Allez, on inspire. On expire. Quand tu es heureuse, et tu es belle, et tu es riche, ça fait mal aux gens. Accepte ta richesse. Leurs échecs n'ont pas besoin d'être les vôtres. Leur projection sur vous n'a pas besoin d'avoir lieu. Regarde comment tu es belle. Look at you. Merci le pro. Les ancêtres n'aiment pas quand tu t'inquiètes. Don't like it. When you're worried. On s'aimera encore lorsque l'amour sera là. Je vais vous lire la Bible. Attendez d'abord. S'inquiéter, c'est naturel. Sony, j'arrive, je vais te bloquer.
This is fucking disgusting. Merci, le roi Xavier. Quand tu t'aimes, les gens ne peuvent que t'aimer. OK? People can only love you. They don't have any other option. Vous ne pouvez que m'aimer. Si tu me détestes, tu auras mal au cœur. I didn't change my hair. I added something to my hair. J'enlève le stress de votre esprit. J'enlève le stress. Personne n'est plus belle que toi. Oh, elle est belle, hein? Si vous saviez combien de fois dans le passé je me trouvais laide. I was like, je vois une autre personne, je dis, waouh, elle est belle. She's cute. Personne n'est plus belle que toi. Personne. Merci pour le compliment, Ebé. Depuis hier, j'ai à cœur de vous lire la Bible. Je sais qu'il y a de bonnes pépites que vous allez en tirer. L'abondance, c'est votre droit. On se bat contre ce qu'on voit sur les réseaux sociaux qui nous tirent le bas. You deserve happiness. You deserve money. Tu mérites de l'argent. Tu mérites le bonheur. Beauty doesn't have anything to do with relationships. Who told you you have to be in a relationship? Who? Qui t'a dit que tu dois être dans une nouvelle relation? Bien, why? Who told you? Who told you? Je peux être belle. J'ai pas forcément besoin d'être stable dans une relation pour... Ma beauté n'a rien à voir avec... Et si les gens que tu rencontres, ce sont des... J'allais dire des trous de... Mais non, soyons gentils. Tu peux avoir 4 prétendants. Les 4 sont tous des... C-O-N. Hmm? Ça ne veut pas dire que c'est toi qui a un problème avec toi. Why would such people come your way? Royalty, I don't feel like talking to you. I don't feel like entertaining you. Like, there's something wrong with you. We don't think on the same frequency. Okay? We don't think on the same frequency. So I'm not even going to entertain you. I'm going to soon block you. Blocage en cours. Voilà. Parfois, il faut choisir son bien-être. Beaucoup d'entre vous, vous avez passé votre vie à... You spend your life catering for other people. Je n'aime pas recevoir les gens chez moi.
Je n'aime pas. Me casser là. Oh, je vais préparer. Est-ce que ça va? I don't like. J'ai passé ma vie à essayer de plaire à trop de personnes. C'est pour ça que quand vous venez chez moi, vous avez remarqué que je n'aime pas les protocoles. Ceux que j'ai déjà reçus, j'ai peut-être à faire à manger, vous êtes venus, 50, 100 personnes. Je n'aime pas le protocole. Pendant longtemps dans ma vie, j'ai été dans des familles où j'ai essayé de faire plaisir à la belle-mère. Ma vie. Pour me rendre compte après que, like, elle n'en avait rien à foutre de toi, ma chère. She didn't give a F about you. Like, la belle-mère, elle s'en foutait de toi. Even up to today. The mother effing, you know, belle mother. She doesn't care. She don't give a F about you. Elle s'en fout de toi. Elle vient chez toi pour voir ce que son fils t'a acheté. Comme ça, après, elle va dire, j'ai fait la même chose. Une fois, quand j'étais déjà célèbre, je suis sorti avec quelqu'un. Et la matin, elle voulait me voir. Pendant le premier rendez-vous, elle me demande la consultation. J'ai dit, c'est pour ça que tu voulais me voir. Hein? I don't do mothers-in-laws. I don't do that. Je ne fais pas les mothers-in-law. I don't do that. Me plier trop pour quelqu'un, pour qu'il m'apprécie, pour qu'il m'accepte. Et toutes ces personnes ne seront jamais satisfaites parce que le moment où tu vas te choisir, ça va les énerver. I've learned to choose myself. Oh, je suis seule là. Quand je suis ici, généralement, je suis seule. Si je décide d'enseigner de la maison, je peux passer 2-3 jours, je ne vois personne. La ménagère vient, elle fait 2-3 heures de temps, pas après pas. Alors, et la ménagère, je sais que c'est moi qui t'emploie. Ça ne va pas, je te dis sors. Merci le roi Xavier. Ça ne va pas, lui dire. Bah. Audrey, tu as un grand témoignage. Ça, c'est magnifique. Magnifique. Donc. Toi, quand tu rencontres un mec, après, tu te dis. Merci, Sandy. L'étape où je vais devoir rencontrer sa mère, ses soeurs. Et quand tu as atteint un certain niveau, il dit que mon mother-in-law a very jealousy. With your sons. Yeah, yeah. Oui. J'ai atteint ce statut où j'ai des employés. J'en parle peut-être 25. Il faut que je demande combien d'employés on a aujourd'hui. Entre 25 et 30. Un truc comme ça. Première chose qui arrive avec les belles sœurs. Je ne me vois pas avec la petite sœur de mon mari. Like, tu veux qu'elle te serve pour que tu m'aimes? Tu bois le jus, ma chérie. Ne m'aime pas, non. Une fois, on quitte ça. That's the new me, ok? It's not even that they're toxic. They expect something from you. Ils ne sont pas toxiques. Ils attendent quelque chose de toi. Donc, assure-toi que tu avais un homme qui n'est pas manipulable. Hey, vous sortez d'où avec le Foster Clark ensemble? Vanessa et Ulrich. Même un homme, hein, tu rencontres une femme, après maintenant c'est sa famille que tu dois épouser. Ça, ma mère veut ça, mes soeurs. Et comme les femmes sont très influençables, je ne sais pas ce que c'est pour un homme d'avoir une femme, mais je me dis ça va être assez compliqué.
J'aime beaucoup réfléchir. J'aime. Parfois, quand on fait un truc d'une façon, je me demande, mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est fait comme ça? J'aime questionner nos actes. Bonjour, Mireille, Rémi, quoi, quoi, là. Merci, bonjour. Me dit, pourquoi un homme rencontre une femme? Vous êtes bien. Jusqu'à ce que vous vous présentiez mutuellement à vos familles. C'est un peu comme si vous présentez mon homme, je viens passer un examen devant vous. Voilà, tu es avec un homme, tu t'occupes des grandes soeurs et des petites soeurs. C'est lourd. Parfois, tu es à la maison, c'est toi qui fais tout. Sa famille croit que tu manges son argent. Ça, c'est le trop marrant. On peut te tuer dehors parce qu'on croit que c'est toi qui manges son argent. Sans savoir que c'est toi qui le soutiens. Donc, dès que je parle, vous sentez, moi personnellement, je sens des tensions dans mon corps. Parce que j'ai eu des relations. On est en train de se chercher. Pourquoi tu veux prendre totalement en charge ton père? Tu n'as pas encore, on n'a pas les moyens, chérie. Ton père tombe malade, il a 5 enfants, non? Hein? Ça doit peser sur toi et moi. L'huile de blindage t'a guéri du mal de dos. Oh là là, that is so amazing. Je suis trop contente aujourd'hui. I don't know. I'm just so happy. I should put a flower in my eye. In my, what do you think? I should put a flower in my hair. On va voir. La fleur est là-bas. J'ai la paresse de sortir cueillir la fleur. Bon, on continue. On boit notre thé. Ta belle-sœur t'avait sorti un jour que depuis que je suis avec son frère, elle ne voit pas son. Oui, il y a beaucoup de belles-sœurs qui aiment. Elles commandent leur frère carrément. Jusqu'à ce que tu viennes. Il y a même des mères. J'étais avec un homme une fois. Premier rendez-vous avec sa mère. Sa mère déjà, ah, je comprends pourquoi depuis. La mère, son mari, le mari de la femme n'est pas émotionnellement disponible. Ce qui fait que sa satisfaction est tirée de son fils. Elle appelle son fils 20 fois par jour. Like, you know, it was just too much. Donc, quand je commence avec son fils, elle dit, ah, je vois pourquoi depuis tu ne succombes plus à mes manières. It was just too obvious. Like, laisse le garçon grandir, maman. Bonjour, mon cher frère. I'm not going to be poor because people want to suck my money. Je ne vais pas être pauvre parce qu'il y a les gens qui veulent aspirer mon argent. J'apprends à dire non. Je ne serai pas pauvre parce que il y a les gens qui veulent sans cesse. Ah, tu as l'argent, non, donne-moi. Ah non. Apprenez à dire non. Répétez avec moi. Non. Dites non. Mon argent n'est pas prévu pour ça. Non. Ce n'est pas que je n'ai pas l'argent. Non, mon argent n'est pas prévu pour ça. C'est courtois. Vous pouvez être courtois et dire non. J'ai appris, c'est une capacité que j'ai appris récemment. J'ai eu un business que j'ai dealé avec quelqu'un dans un pays. Je ne nommerai pas le pays. Et un des clients qui est arrivé, c'était un conseiller à la présidence. Donc, on a un conflit. Et finalement, il s'avère que il devait arriver une limite où il allait porter plainte. Il m'appelle. C'était avant de passer à l'acte. Je lui ai dit, monsieur, on a parlé. J'ai dit, je comprends très bien votre préoccupation. Je ne suis pas. Je ne vous manque pas de respect. Avec le respect que je vous dois, je suis dans ma juridiction. Voilà ce que je fais. Je paie mes taxes. Bon, je n'ai pas dit qu'il paie mes taxes. Ça aurait été quand même. Il me dit, ouais, j'aurais pu abuser de mon pouvoir pour faire. J'ai dit, monsieur, vraiment,
Avec tout le respect que je vous dois. Mes employés n'ont pas fait faute ici. Portez plainte, on mène une enquête. Il n'y a pas de problème. Être courtois ne veut pas dire qu'on est faible. On peut être courtois et ferme. Je dis que la lumière sur moi est montée à 1000%. Monsieur James, bonjour. Et c'est une des choses que vous devez apprendre. You must learn how to say non. Sinon, vos enfants vont vous manipuler. Ta mère va te manipuler. Ta femme va te manipuler. J'ai été une fois avec un homme. Chaque fois qu'on avait un problème, il commence à dire, oh, ouais, c'est parce que dans l'enfance, j'ai les points, ma mère, j'y m'attends. Ça n'a rien à voir. On est en train de discuter de notre problème de couple. Quand j'étais petit, mes deux parents se sont séparés quand j'avais 10 ans. Ne me manipule pas, monsieur. Viens, on résout nos problèmes ici, là. Oui. Ton mari peut bien te manipuler. Ton mari sait que tu économises très bien ton argent. Du coup, quand il y a une situation, il te fait gérer. Il connaît que ta femme et les larmes alors sur nous. Oui, à cause de toi, j'ai accouché tes enfants. Ma vie est finie. Chérie, ça veut pas, c'est pas parce que tu m'as fait des enfants que ton point est valide. Jusqu'à tu pleures. Je peux pas te raisonner. Bah, tu veux la perruque. Je dis non, maintenant tu commences. Oh, 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 ma vie est finie parce que j'ai accouché tes enfants. En refusant, hein, j'ai mes thèmes. Je ne dis pas que je n'ai pas l'argent. Je ne vais pas maudire mon argent parce qu'il veut te montrer que je n'ai pas. Je ne pourrais t'aider maintenant. Je n'ai pas besoin de te dire que parce que mon argent, c'est pour faire autre chose. Je ne saurais t'aider maintenant. Hier, monsieur vient dans le haut bureau. Il avait 1000 francs en main. Il était à Libreville, ici au local. Il dit qu'il veut payer. Il veut l'argent pour compléter et mettre et charger le crédit dans le top up sa lumière. Il veut recharger son SEG, non. Il veut mettre la lumière dans... Vous comprenez ce qu'il veut dire. OK. Donc, il monte les 1000 francs. Je lui dis, monsieur, je peux te donner l'argent cash. Je peux t'envoyer chez quelqu'un. J'aurais même pu lui mettre 5000 francs, si c'était vrai. Il me dit, OK, attends, je vais pas chercher le numéro de compteur à ma femme. Il sort, il revient. Oh, ma femme n'est pas... Elle est sortie. J'ai dit, désolé, alors, je peux pas. Désolé. L'autre jour, je suis allé faire du supermarché. C'était samedi. Bon, en rentrant, je vois une fille qui est dehors sur son téléphone. Elle a un t-shirt qui montre, nous sommes en train d'aider, nous aidons les... Bon, ils disent qu'ils collectent les sous pour aller donner aux orphelins ou aux femmes, aux vieillards. Où est ta paperasse? Je vois un t-shirt. Tu as pu aller dans un événement, on t'a donné un t-shirt, tu as porté. Tu viens te mettre devant un supermarché et tu demandes l'argent aux gens. Ils font beaucoup ça au Gabon. En fait, tu es devant le supermarché, ta copine allait faire les courses à l'intérieur. On a déjà fini. Notre chef est parti avec les papiers. Ouais. Il dit que okay, voilà le numéro du local. Il a appelé, vous venez là-bas. Mon association aide les gens qui aident d'autres personnes. Mais je ne vais pas te rencontrer devant le supermarché parce que tu as un t-shirt, je te donne l'argent.
Des gens vont chercher à tout bout de champ à extorquer votre argent. Everywhere. Même les arnaqueurs qui utilisent ma photo pour vous arnaquer. Vous êtes fous. Vous buvez le jus. Quelqu'un t'écrit. Il y a tel blocage sur toi. Tu cours aussi. Tu pars, tu donnes ton argent. Hein? Ah, donnez alors. C'est ton argent, non? Et aussi les gens qui veulent qu'on les escroque. J'ai souvent les gens qui viennent à moi. Je dis que si j'étais une femme escroc, il y a encore quoi? Il y a encore quoi qu'elle doit faire? Il y a encore quoi? Va d'abord faire le premier traitement, si. Je vois ton obéissance avant de prendre ton argent après. Comme tu cours derrière moi, c'est toi après que demain tu vas dire que mes choses ne marchent pas. Il y a quand même le premier jour, elle veut sortir 2 millions. Fais, tu attends. Donc certains d'entre vous là, vous cherchez qu'on vous voulez, vous aimez. Vous aimez. Qu'on vous escroque. Et les gens nous prennent toujours pour des cons. Quelqu'un arrive, va ton frigo est plein, tu ne manques pas, ta maison. Depuis un an qu'il te connaît, tes choses sont toujours propres, nettes. Ton jardin est toujours tendu à temps. Tu as tout le crédit dans ton téléphone. Tu as tout le carburant dans ta voiture. Il s'est dit que tu es bête. Je ne vais pas vivre une vie de pauvre pour vous montrer que je n'ai pas l'argent. Ou pourquoi vous ne me demandez pas l'argent. Il y a ce qu'on appelle le standard. La base. J'ai trouvé le champagne ici là. Vous vous rappelez qu'à un moment, à une époque, je buvais beaucoup, non? J'ai mes périodes. Il y a des esprits qui entrent, il y a des périodes que je bois moi bien même. Je m'assois le matin, on s'ajoute mon champagne, je bois moi. Mm-hmm. Pequeño, merci, bonjour. Voilà, donc, le faux profil t'a écrit. Et tu as dit que ma reine n'écrit pas inbox. C'est tout. Il t'a bloqué direct. Et ces faux, ces arnaqueurs sont très, très insolents avec les gens. Hier, ils ont dit à une personne qui leur a dit que ce n'est pas vous, que vous êtes des arnaqueurs. Ils lui ont dit que la personne va passer une mauvaise journée. Très insolent. Si vous me connaissez, vous connaissez déjà un truc avec moi. Vous... Ceux qu'on arnaque aussi, là, vous-même, là, votre cœur, là, n'est pas clair. Hein. Votre cœur, là, n'est pas clair. C'est vous-même qui cherchez. Tu peux savoir quand même quand tu converses avec moi. Hein? Souvent, quelqu'un vient, elle demande mes prix, je donne. Elle disparaît. Elle fait un mois et demi. Elle revient. Elle fait la capture d'écran. C'est ton numéro ici. Je lui ai envoyé 10 000. Tu cherchais le moins cher, non? Tu voulais le jus. On a fait le foléré, on t'a donné. Salé, tu aimes quand je souris. Moi-même, j'aime sourire. Ça détend mes nerfs. Ça fait le botox sur mon visage. Eugène. Il y a les jeunes qui bossent et leurs parents absorbent tout leur argent. J'ai un collaborateur. J'ai commencé à bosser avec lui. Donc, tous les mois, il reçoit son salaire. Oh, le mois passé, mon père était malade. Il devait faire comment? Les factures de ton père, c'est 150 000. Ta soeur envoie 10 000. Tu sors 140 000. Tu es fou. Et ton salaire, c'est 150 000. Arrêtez ça. Arrêtez. 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 Écoutez, la base pour tes parents. La base, c'est qu'ils disent eux-mêmes, ils ont mis un matelas où ils vont se coucher sur ça, dormir. Ce que toi, tu leur apportes, c'est le surplus. Parce que beaucoup d'entre vous, d'entre nous, je dirais, nos parents n'ont pas... C'est rare de voir quelqu'un ici, là, que son parent l'a localisé quelque part. Tu finis l'école, tu prends ta licence, ton master, tu termines, ton père cherche
il contacte un de ses amis, directeur ou bien ministre. On te met dans un ministère où tu touches 4 millions le mois. C'est une personne sur 5 000. Tous les 4 999 là. Beaucoup d'entre vous, vous devez vous chercher vous-même. N'est-ce pas? N'est-ce pas? How is it going? On t'a écrit plusieurs fois pour dire que vous êtes dans le même groupe. Heureusement que toi-même, tu connais. Bonjour, association. Oh, merci. C'est gentil. Si tu es en train de te chercher, c'est un peu comme si tu... Vous tombez dans l'eau, vous êtes en train de vous noyer tous les deux. Mets-toi d'abord à l'abri avant d'envoyer. Envoie, ne pas sauver la personne. Lance. Si il a attrapé, il a attrapé. Pour vous, non? Tu vois là. Je vais secourir, c'est ma mère. C'est mon gars. Il y a un nombre de temps que tu dois faire avec l'homme avant de dire que tu portes ton argent pour aller investir sur l'homme. Je peux être avec toi. Hein. Je peux être avec toi. Tant que tu n'as pas atteint un niveau de confiance, je préfère prendre une jeune personne là dehors en qui je vois vraiment que non, ça fait 3 ans. Je vois que le petit s'est commencé ici, il est ici maintenant. J'ai investi sur lui. Et je te dis sincèrement, sans... Monsieur, je fais du business. I do business. Tu es là depuis avec ton propre père qui est bien valide. Mais j'ai eu mal au pied depuis, je lui ai écrit que je n'arrive plus à partir. Tu vas lire le... à l'école. Il lit sans répondre. On vous fait beaucoup de chantage. Hein. On vous extorque de l'argent. L'indépendance émotionnelle vous fera économiser beaucoup d'argent. Je ne dépends pas de vos compliments. Regarde, j'ai match avec mes boucles d'oreilles en plus. Regarde, il y a des boucles roses. Pat, tu fais attention aux détails, franchement. Souvent, il me dit, you are the brother that I should have had. You know, you are the brother for my dad and mother. Attendez, j'ai un de mes employés qui m'appelle. Une minute, s'il vous plaît. Wait, I am coming. Quand il fait longtemps sans regarder les messages. Oui, oui, elle vient. J'ai mon beurre de karité là. Je crois que c'est dans ta maison là-bas. C'est dans une boîte blanche, mon beurre de karité. J'en ai besoin pour hydrater ma peau. Ou bien tu m'envoies une huile du magasin. S'il y a de l'huile de ricin, tu m'envoies. J'en ai besoin. Comme ça, elle descend avec. Si même aujourd'hui, même 10 francs de mon père, je n'ai pas mangé. Il n'y a que Dieu. Aïe, c'est ça? Bon, je vais lire la Bible. Hein. Ne voyez pas comme ça, t'es bavardé comme ça. Souvent, le toli me prend. Est-ce que TikTok m'entend encore? Quand il dit que rien ne change, il a d'abord fait quoi? C'est pour ça qu'il ne lui a pas répondu. Ma situation ne change pas. Tu as fait d'abord quoi? Ce n'est pas parce qu'on est élu que les gens vont abuser de nous, on va accepter. Hein?
Bon, je voulais vous lire quelques passages et puis on va lire, on va commenter. J'aime bien lire la Bible en bavardant. C'est une de mes activités préférées. Matthieu, Marc, Luc, Jean. On va aller dans le livre de Jean. En tout cas, si vous voulez qu'on laisse qu'on abuse de vous, continuez. Oh. It's your choice. Jean chapitre 14. Lisons la parole de Dieu. Amen. Je bénis cette parole. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Et croyez en moi, Jocelyne. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serais allé, et que je vous aurais préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez. Donc, nous sommes déjà à côté de Dieu. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin. Je suis le chemin. I am the way. Je suis le chemin. Ne t'inquiète pas de savoir comment. Thomas était trop... Thomas, là, on le sentait venir depuis. Hein. Thomas, si. On fait comment pour arriver? Comment j'ai fait pour savoir écouter la voix de mes ancêtres? Comment? Je suis. Tu sais déjà comment il te parle. You already know. Don't worry, be happy. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ne laissez pas qu'on vous embrouille. C'est ici, viens ici voir, viens là-bas. Écoute tes émotions, écoute ton cœur, écoute-toi. Verset 7, Jean 14. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Comment je te dis que je ne connais pas quelqu'un? Tu me dis que je le connais. Ça veut dire que je dois commencer par dire que je le connais. Pour entrer dans la chose. Ce sont vos paroles qui vous séparent de Dieu. Your words. Ce sont vos paroles qui vous séparent. Je le connais. Je me rappelle quand je prêchais beaucoup. Oh Dieu, Dieu, Dieu. Il y a un truc qui me... dérangeait de dire aux gens qui ne connaissent pas Dieu. Je me demandais, mais comment est-ce que... Il y avait des personnes, je voyais beaucoup d'amour en eux. Okay, s'ils ne connaissent pas Dieu, comment ça se fait qu'ils soient aussi bons? Bonjour Valia, merci. Bonjour Lionel, merci pour le retour. Si vous me suivez depuis un temps, achetez un kit pour travailler sur vous. Commencez d'abord par les bains de pipi, bains de sel. Après, vous achetez un kit, vous l'utilisez. Kit fondation. Après, kit déblocage. Après, kit désenvoûtement. Bonjour, mon voisin. Junior, bonjour.
Mimi, merci. On continue, non? Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne l'as pas connu. Et tu ne m'as pas connu, pardon. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Jean 14, verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est dans moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Bosco, bonjour. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause des œuvres. Bonjour Ariane, comment tu vas? Croyez au moins pour ce que vous voyez, like. I don't know. Tu attends quel autre signe? Vous êtes même plus pire que Thomas. On vous montre même les signes, vous ne voyez pas. Bon, on continue. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Verset 12. En vérité, je vous dis. Je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. You shall do greater works. Roms, merci, bonjour. Ne compliquez pas la parole que je viens de lire. Ne compliquez pas avec ce que votre pasteur vous a appris quand vous étiez jeune. Ok? Prenez comme ça vient là. Avec le temps, plus tu écoutes la Bible avec du recul, en laissant la religion, plus tu vois que ça t'enseigne, ça parle à ton corps. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous ne m'aimez, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Les paroles sans acte là. Si tu m'aimes, fais ce que j'ai dit. Moi, les enfants, trop haut, maman, je t'aime. Après, quand je ne suis pas là, tu pars derrière, fais des bêtises. Je préfère l'enfant qui va me voir. Ok, maman. C'est pour ça qu'un enfant obéissant adoucira toujours à long terme un papa. Si vous m'aimez, gardez mes commandements et moi je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité. Tu ne peux pas dire que tu es en Dieu et tu mens. C'est ça que je vous ai dit. Je n'aime pas avant, j'ai accepté 4-5 ans, je pouvais itérer des mensonges. Tu vois, quand tu es dans une situation, tu as dit que tu serais là à 14h. Il y a les embouteillages en route. Tu n'appelles pas. 14h15, on t'appelle. On dit, tu es où? J'ai d'abord dû passer quelque part avant de venir. Je suis désolée, je suis dans les embouteillages. Tu n'as pas besoin de mentir.
Avant, j'avais encore ce petit truc-là parce que j'avais peur que l'autre personne soit vexée. Oui. Et il y a encore des personnes aujourd'hui comme ça. Je suis avec toi, on entend vouloir signer un truc. Je t'entends prendre le téléphone, tu dis à quelqu'un que je suis là dans 5 minutes. Et on sait tous les deux que d'autres conversations vont encore faire 20 minutes. Tu es un menteur. Oui, j'ai menti pour avoir mes papiers, mais bon, le Seigneur a fait grâce. Comment? How? Je vais toucher un peu la sensibilité de certaines personnes aujourd'hui. Bosco de Congo Brazza, bonjour. Cisco, bonjour et merci. Douce de cœur, bonjour. Florence, bonjour. Samira, bonjour. Berry, bonjour. Kessy, bonjour. Dieu a fait grâce. La vérité est une force. C'est une puissance. On est dans un monde où les gens manipulent tout le monde. Et on nous a montré que la seule façon de prospérer, c'est de manipuler les gens. C'est de mentir. Parfois, tu travailles avec quelqu'un, il est chargé de faire tes courses. Et tu tentes d'ajouter un peu 500 ou 5000 sur le prix de quelque chose. Alors que tu lui donnes un salaire. Cette personne ne va jamais avancer. Ça m'est tellement arrivé. Je travaille avec des gens, ils sont chargés de faire des choses pour moi. Parfois, il vient me parler. Quand il vient me donner un rapport, l'esprit me dit qu'il ment. Je l'observe. Le jour où j'ai accumulé, toutes tes cartes de mensonges ont été, toutes les cases ont été cochées. Je te renvoie. Quand tu as épuisé toutes tes cartes. Pense qu'ils sont plus intelligents. Non. Le mensonge a toujours les courtes jambes. Et quand tu dis que tu vas impacter dans le futur à long terme, ta fondation doit être creusée profondément et c'est la vérité qui creuse cette fondation. Tu manques, tu prends l'argent de quelqu'un pour faire quelque chose. Ne t'en fais pas, cette chose-là ne va pas avancer. Il y a quelques années, j'ai quelqu'un qui a pris mon argent pour lancer une activité. Après, on m'a donné toutes les excuses pour que je dise que mon frère, c'est la sueur de mon front que tu prends pour lancer ton business et tu ne me rembourses pas. Je n'ai même pas besoin de te maudire. Il ne veut rien dire. Bye. Le business ne peut pas monter. Ce sont des lois. Donc peut-être tu dis que tu es enfant de Dieu. Oui, oui, oui. Et tu as encore ça. Parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes appelés à... Ce qu'on a appelé à faire sur la terre, ça va normalement libérer des gens, libérer des générations. Et l'ennemi aime quand dans notre fondation, il y a le mensonge. Parce que ça nous affaiblit dans le spirituel. C'est-à-dire, arrivé, tu avais un mec au marché. Tu arrives dans la rue, tu vois une autre personne, tu ne veux pas qu'on sache que tu sois avec celui-là. Tu te caches. Oh, Ange, merci. Tu es en train de t'affaiblir. Tu as une activité, tu ne t'enregistres pas. Quand les impôts passent, tu fermes. Tu es en train de t'affaiblir. Comme tu prêches aux gens tous les jours que Jésus vous aime, et tu ne payes pas tes impôts là. Toi-même, tu t'affaiblis. Tu emploies les gens, tu ne les payes pas. Parce que souvent, les gens, ils sont très forts pour bâtir l'église. Alléluia. Vous sortez de l'église, vous ne payez pas les... Tu as pris la marchandise de quelqu'un, tu ne le payes pas.
Je n'interprète pas les rêves des gens en direct, monsieur ou madame. Tu as fait ton rêve, c'est tant mieux pour toi. Ok? Bon, continuons. Jean 14, verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Aujourd'hui, c'est devenu normal de chercher un homme parce qu'il a l'argent. Il y a quelqu'un qui fait des vidéos ici, qui vous encourage à chercher des mecs qui ont seulement l'argent. Moi, je dis, cherche ton argent d'abord. Like, ah donc, pour moi, être devant quelqu'un et prétendre parce qu'on calcule quelque chose derrière la personne, that is wicked. C'est méchant. Imagine comment tu te sentirais si quelqu'un, tu te rends compte que l'homme qui est avec toi depuis 2-3 ans, parce qu'il cherche quelque chose derrière toi. La vie est difficile. Tu viens avec l'esprit, tu me dis, il te bloque. Je cherche les gens qui avaient bloqué ma chérie. Que la vie est difficile. C'est pour ça que vous vous retrouvez en train de sortir les gens pour l'argent. Hmm? C'est pour ça que l'argent que tu prends chez lui, là, tu ne fais rien avec depuis, chérie. Toutes les fois, vous avez pris l'argent de quelqu'un. Beaucoup de femmes font ça. Tu sors avec un homme, ok, je supporte. Parfois, tu es même sur le lit et tu dis, fais vite, tu me donnes l'argent. Ah, oui, c'est bon, chérie. L'argent que tu prends là, vous savez, coach Joseline, c'est qui comme ça? Soit tu es un de mes anciens élèves. Je me suis plus appelé coach Joseline depuis 3 ans. Ça veut dire que tu me connais depuis plus de 3 ans. Comment t'appelles-tu? Je me rappelle de toutes les personnes que j'ai connues. I remember you. Même les enfants sont devenus manipulateurs aujourd'hui. L'argent fait le bonheur, chérie. Mais pas l'argent de quelqu'un que tu as mal acquis. L'argent fait le bonheur, crois-moi. Oh, oh. Heaven, yes. L'argent, ça rend beau. Ça te permet d'aider les gens, d'acheter une belle voiture, de vivre dans un bon confort. What? Oh. Je demandais donc combien ont été dans des relations. Audrey, tu es où? Est-ce que tu as payé? Il dit que pour me rencontrer, on paye. À défaut, tu mets ton crédit, tu me regardes comme ça, pas de souci. Clark, bonjour. Dans le passé, peut-être tu ne savais pas que c'est possible de vivre dans la vérité et d'avoir l'argent. Je te dis que c'est possible. C'est possible. Je ne suis pas une fée, je suis une sirène. L'élément terre, c'est mon troisième élément. Thérèse, merci. Josiane, bonjour. Jenny, bonjour. Thérèse, merci, bonjour. Daomé, bonjour. Non, c'est pas pareil. Je te lis la Bible. Bon.
verset 17, Jean 14. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous. Vous me verrez car je vis. Et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Jésus a voulu nous embrouiller. Tu me dis que tu es dans le Père en toi, toi tu es en moi, je suis en vous. Avant, quand j'imaginais ça dans mon esprit, j'essayais de voir comme si on met un fruit dans un autre. Voilà le noyau peut-être de la mangue. Donc Jésus c'est le noyau de la mangue. Dieu c'est la mangue. Non, ça ne donne pas. Bon, Jésus c'est le noyau du noyau de la mangue. Et dans le noyau de la mangue, il y a souvent un truc, non? Et le Père c'est la mangue. Moi je suis le noyau. Ou bien je suis ce qui est dans le noyau. Jésus est le noyau. Dieu c'est la mangue. Vous voyez un peu, non? Ouais, parfois j'essaie de faire des analogies dans mon esprit. Mais on ne peut pas comprendre les choses physiques, spirituelles avec des analogies physiques. Il faut passer à une autre dimension. You have to think, pas sur une plaque linéaire. Le spirituel n'a rien à voir avec le. Un jour, j'étais dans une forêt. J'aime bien souvent, enfin avant, hein, maintenant là, je ne fais plus trop. Je partais méditer dans la forêt. J'étais à Reims, il y avait un beau parc avec de grands arbres juste à côté. Donc un jour, je suis là-bas et puis je suis en train de... Je vais aller m'asseoir, j'écoutais, je parlais avec les arbres et tout. Bolo, bolo. Je vois un tout petit insecte. Il y a souvent la consultation privée, c'est 80 000. Pour que je vous parle, il faut que vous aidez à commencer votre travail spirituel. Je parle pour vous donner des indices sur votre mission de vie. Donc, ne venez pas vous demander qui me bloque. C'est ma tante, c'est ma soeur. Ne payez pas votre argent pour venir me parler pour ça. Ne faites pas baisser ma vibration. Voilà. Donc, dans la forêt, généralement, il y a des petits insectes. Ils sont blancs. Presque invisibles. C'est un peu comme si tu as brûlé quelque chose et la fumée vient se déposer sur ta main. Mais ce sont des êtres vivants. Bonjour, coaching sportif. Voilà. Clément, te merci. La daronne du mic. Oh, la daronne du mic. Ok, c'est moi. Hein. Ok. La reine des reines. Je pensais que la daronne du mic, c'était ton nom. Ok. Merci. Clément, te béienne. C'est un sac tout petit comme ça, blanc. Ah, d'accord. Celui qui dit qu'il est né, il a grandi dans l'islam. Peu importe la religion dans laquelle on a été élevé, les agents de lumière, c'est juste un canal pour arriver à la vérité. Oui. C'est un canal. La religion de départ. Moi, j'étais dans le catholicisme. Après, j'étais dans les églises réveillées. Actuellement, je ne parle pas à l'église. I don't. I'm a free thinker. Pursuing the truth. Un esprit libre qui pense et qui recherche la vérité. Donc, cet insecte-là, s'il se dépose ici, tout petit comme ça. Et là, il commence à m'enseigner. Ils me disent... Dans le physique, vous voyez ces insectes comme impuissants. Mais dans le spirituel... Et si cet insecte qui est presque invisible avait une puissance d'un ange? Je dis, mais ça ne doesn't make sense, ça n'a pas de sens. Très souvent, quand je laisse mes guides m'enseigner, ils mettent tout à l'envers. Ils disent, et si le premier, tu le mettais comme le dernier? Et si le plus riche, tu le voyais comme le plus pauvre? Et si, donc, ils me font, ok, repars de là-dessus.
comment serait le monde. Et ça me permet parfois d'enlever des plafonds qui me permettent de recevoir ce que tu médites et que tu découvres, ça t'appartient. Et il y a des révélations spirituelles qui t'apportent de la puissance. Audrey, je vais te bloquer. Qui t'avait tes émojis de tristesse là ici. Je vais te bloquer. Comme un enfant gâté. Tu es folle? Tu bois le jus? Voilà. Donc. On parle des choses profondes que quelqu'un a dit qu'on ne la voit pas. Je fais quoi avec toi? Oui. Parfois, je m'asseyais sur l'arbre. Je mettais mon dos sur l'arbre. C'est super. It's amazing. Et il donne. On parle de foi. Vous avez la vérité. Ingrid Bleu. Verset 16 disait quoi? Moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Vos guides meurent d'envie. Bon, ils ne peuvent pas mourir. Ils meurent d'envie de vous enseigner. Et quand wait, ils utiliseraient n'importe quoi. Un papillon dans la nature, une vague de l'océan, un arbre. Bonjour. Ludmila, bonjour. Donc on continue. J'étais en train de lire la Bible. Je suis en train de lire la Bible. Verset 20, Jean 14. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé par mon Père et je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Ça veut dire que la base de tout, c'est d'abord d'obéir. Ça non. Étape 1, obéis. Étape 0, obéis. Avant que Jésus t'aime et que Dieu t'aime et que Dieu vienne à toi et qu'il se manifeste à toi. Seigneur, montre-moi ton visage. Mais tu n'obéis pas. D'abord, obéis. Et vous connaissez tous la vérité, elle est en vous. Vous connaissez. Même dans l'enfant. Tu es en train d'allaiter un enfant, il te mord. Il te regarde. Il sait que ce qu'il a fait est mauvais. Ok, continue. Verset 22. Jude, pas Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Oh my goodness. Je me rappelle encore le jour où j'ai lu ça pour la première fois. C'était en 2013. J'étais assise au parc, à Somerville Park en Angleterre. I was like, voilà le secret pour que Dieu vienne vivre chez toi. Seigneur, habite chez moi. Habite en moi. Obéis. Obéis. Moi, la première fois que ma fille m'a mordu, je l'ai tapé. Je crois qu'il devait avoir un mois. Elle ne m'a plus jamais mordu. Voilà. Je ne vous encourage pas à taper vos enfants. La violence physique n'est pas bien. Croquer le téton de sa mère aussi non plus. Ok, continuons. Verset 25. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera. Vous avez un enseignant. Je ne vous enseigne pas, je ramène juste à votre esprit ce qu'on vous a déjà enseigné. Beaucoup d'entre vous, dans le rêve, on vous a enseigné. Vous êtes réveillé, vous avez oublié. Continuez à aimer les gens qui vous ont blessé et trahi. Je n'ai pas dit ça, chérie. Pour vous aimer, ça veut dire que vous repartez pour qu'ils vous blessent encore. N'est-ce pas?
Est-ce que vous savez que vous avez une mauvaise définition de l'amour? L'amour, ça veut dire que je me couche, on marche sur moi. They trample upon me. Je leur donne tout ce que j'ai. Non. Nope. Bonjour, Samuel, merci. Merci, Sophie. Sophie. Tu as un souci, tu oublies tes rêves. Et je fais comment? Je suis en train d'enseigner. Est-ce que tu as envie de parler des rêves ici? Alors, il faut me laisser. Du mage Jésus. Hein. Pour moi, Jésus, c'est le fils de Dieu. Pour moi, il ne veut pas vous convaincre. Il est mage pour toi, mais moi, il est le fils de Dieu. Period. Continuons. All right. Je ne suis pas en train de faire les clashs de religion. Mais je sais ce que le Fils de Dieu fait dans ma vie. Je sais ce qu'il fait dans mon ministère. Right. On continue. Quelqu'un parmi vous a déjà exorcisé une personne. Tu as déjà eu un esprit à manifester devant toi. Quand il manifeste, tu fais quoi? Dites-moi ce que vous faites. Quelle est votre réaction? C'est fou, une fois j'ai été chez un traitant musulman à Fumban. Et quand il travaillait, il a des rituels que quand il fait, il te donne le truc de lire. Lui, le musulman, il ne dit pas l'autorité de Jésus, qui est le Fils de Dieu. Lui. S'il y a un nom que les démons ne résistent, n'aiment pas, ce n'est pas le nom Reine Lumière, c'est Jésus. Attendez, je bloque quelqu'un qui veut faire semblant d'être important dans mon direct. Bloqué direct. Donc, vous allez dire ce que vous pensez de Jésus. Mais, quand je vois quelqu'un qui est athée, un démon, dès que tu dis que Jésus, ne prononce pas son nom. There must be something about Jesus. There must be something about Jesus. Je continue ma lecture. Parfois, les réseaux sociaux viennent vous embrouiller. Oui. Bon, on continue. Verset 27, Jean chapitre 14. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais, je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouiriez. La mort n'est pas la fin de tout. Nous sommes aussi divins et nous avons le pouvoir de nous protéger. Je te voyais venir depuis longtemps, ange. Donc, sur ce, je te dis au revoir. Ok, je vais te bloquer.
Je peux très bien lire vos esprits. Je vous le dis à distance. Ok. Je peux voir chaque personne qui a derrière tous les posts que vous faites là, je vous vois. Je sais que vous pensez que je suis un beau visage devant la caméra. Continuons. Maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient et il n'a rien en moi. Ah, je bloque une autre personne. I just feel like bloquer. Je veux bloquer certaines personnes. Ouais. À un moment de ma vie, j'ai eu beaucoup de confusion dans mon esprit. Une sorte de rébellion par rapport à Jésus. Qui est même Jésus? Pourquoi est-ce qu'on a adoré Jésus? Don't F with Jesus, please. C'est pour ça que vous voyez, très peu de fois, je vais me pointer ici pour essayer de vous convaincre. Tant que tu n'as pas ta révélation personnelle, même Marie. L'autre jour, j'étais dans le magasin, je cherchais des images des représentations de Jésus et de Marie. Et je me suis rendu compte que Marie est plus populaire que Jésus. Vous allez vous pointer, je vais vous bloquer. Hein. Je vais vous bloquer. Jésus n'est pas le Dieu des Africains. Je te bloque. Va dire ça sur ta page. Voilà. Vous savez que ce sont les sujets, je les aborde très peu sur ma page. Très peu. Très peu. Mais je suis catégorique là-dessus. Je ne suis pas là pour vous convertir. Et je respecte vos religions. Je suis suivi par beaucoup de musulmans. J'ai des amis qui sont musulmans. Ma conviction personnelle, je n'ai pas besoin de l'appuyer sur toi. Je respecte ce que tu crois. Mais les personnes ont souvent utilisé une sorte de rébellion. Tout ça doit être fait dans l'amour. Tout. Et tu veux me convaincre que c'est Allah qui n'est qu'une représentation de Dieu, toujours que nous on dit Dieu. Vous devez toujours tester l'esprit qui est derrière la personne qui vient vers vous. Il y a toujours un esprit derrière chaque personne. Il y a toujours un esprit derrière. Oui. Always. Donc je vais au magasin, je cherche les représentations de Marie, j'en trouve peu. Pour Jésus, je trouve beaucoup. Mais comme les gens achètent beaucoup pour Marie, il dit, hey Marie, tu es plus populaire que ton fils. Are you popular? Are you popular? Popular reste. Il faut être démocrate en laissant les gens dire ce qu'ils pensent dans le respect. Non, c'est sur ma page en fait. Ça c'est moi, c'est ma page. Je ne me pointe jamais sur la page de quelqu'un pour parler. Donc quand ils me pointent sur ma page, je dis ce que je pense et je ne suis pas... C'est pas la cour du roi Beto. C'est pas que je vous laisse entrer, vous dites ce que vous voulez. Non. Ok mon frère. Voilà. Ma page n'est pas une page de démocratie. Ce n'est pas une page de démocratie. Et si on ne s'entend pas, pourquoi marcher ensemble? Si ce que je dis ne correspond pas, pourquoi tu me suis? Ne me suis pas. C'est très simple. Quand je scroll sur TikTok, s'il y a la tête de quelqu'un qui ne me plaît pas, je vois 2-3 vidéos, ça ne me plaît pas, je me désabonne. Simplement. Comme un vêtement, ça ne me plaît plus, je jette. Une amitié ne me va plus. Merci vraiment, c'était un plaisir. Dans la paix, en fait, je ne sais pas, on peut dire, like, you don't need to... Non. Et je ne vais pas me mettre à parler mal de toi. Je t'informe juste que vraiment, nos principes, we're not matching anymore. Avant, je pouvais parler avec toi. Récemment, je me suis séparé d'une amitié comme ça.
Ça ne matchait plus. La personne m'a fait beaucoup de bien. Et je sais aussi que j'ai fait du bien dans sa vie. Mais pour là où je suis en train de partir, pour cette saison, calmement, je souhaiterais que la personne aussi sache que je te porte bien dans mon cœur. C'est possible de se séparer de quelqu'un dans la paix. Merci Daomé. Très important. La paix est bien. Poursuivez la paix. Maintenant, il y a des personnes qui ne comprendront pas. Il y a des personnes qui, avec leurs paroles, plus tu deviens, plus tes chakras s'ouvrent et tu deviens spirituel. Tu peux lire l'esprit qui a derrière les gens. Quelqu'un peut venir avec les meilleures paroles. Oh, oh ma bestie, oh ma fille. I feel it coming. Oh, I feel it coming. Je te vois venir. Il y a des gens souvent qui viennent ici dire bonjour. Leur bonjour là, je sens ça. Certains viennent me complimenter. Tu es belle, 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 tu es belle. Ok. Même ton compliment là, je vois ça. I can see you. Bonjour Sanda. Simple. Very simple. Ah Seigneur, je vais aller sur le canapé m'asseoir. What you be this? Et à mal aux fesses. Non, on peut être en désaccord, mais on se respecte. Mais comme sur les réseaux sociaux, c'est du n'importe quoi. Blablabla. Les gens pensent que comme on te voit, tu fais le direct. Ils avaient dit que vous êtes au même niveau. Non. Du coup, tant que tu me respectes, je te respecte. N'allez pas ouvrir. Hein. Ah, ça me permet de marcher un peu. Oupsie. Oui. Celui-là, là-bas. On dirait qu'il ne va pas durer parce que j'ai l'impression qu'on a coupé la lumière. Donc, merci. Je pense que c'est l'heure pour moi d'aller manger. Comme on a coupé la lumière. Reprendre cet enseignement plus tard, ok? Sylvie, en Afrique, ils se permettent de couper la lumière comme ils veulent. Ils coupent le courant quand ils veulent. Ben, on n'a pas le droit de parler. Hein. Tu vas te plaindre à qui? Ce sont les grands frères.
crois que j'ai 300 mégas ici. Ça va finir bientôt. C'est pour ça que je ne vais même plus enseigner parce que ça va se couper bientôt. Quand ça se coupe, on se voit plus tard. Sylvie, en Afrique, c'est la jungle. On est bien, mais on ne peut pas se plaindre de beaucoup de choses. Tu vas te plaindre. Tu vas te plaindre à qui? Il n'y a pas l'endroit ici pour faire les requêtes. Tu vas faire la requête à qui? Qui va réussir ta requête? Ah, c'est la même chose en Algérie. Hein? Oui, 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 ils ont le droit. En fait, tu vas te plaindre à qui? Tu vas te plaindre chez qui, en fait? Like. Voilà. Ok. On a lu Jean chapitre 14. J'espère que ça vous a plu. Le dernier verset, c'est le verset 31. Il dit, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. » Donc, Seigneur, je te remercie pour cette parole que nous avons lue ce matin. Je viens bénir les personnes qui ont écouté et que ce qu'ils ont eu de toi aujourd'hui, que ça reste dans leur esprit, qu'ils puissent prospérer et que ça leur permette d'améliorer leur vie. Voilà. Qu'ils améliorent leur vie. Pour tout ce qui était brisé dans leur vie, reprennent, se redressent. Voilà. 26 ans à Paris, jamais. Et puis en Algérie, tout le temps. Mais voilà. Est-ce que ceux qui m'écoutent sur Facebook, est-ce que c'est bas? Tu veux savoir si je vis seul? Si je suis seul? Ce n'est pas parce que je suis seul que je vais sortir avec toi, Sam. N'est-ce pas? Hein? Que le Seigneur accorde ce que je vous ai demandé. Voilà. Passez une très bonne journée. Bonjour Lisa, comment ça va? Merci, celle qui aime mes vidéos. Merci, c'est gentil. Donc, ceux qui ont demandé les lectures de cartes, je ne les ferai pas avant au moins 3 jours. Donc, soyez patients. Ceux qui ont demandé les consultations à Libreville, je consulte actuellement à Libreville. Vous pouvez réserver pour Abidjan. Je serai à Abidjan dans quelques jours. Vous pouvez aussi réserver pour Ouagadougou. Je serai à Ouaga dans maximum 7 jours, comme j'ai dit hier. Et Kinshasa aussi. Donc, voilà mes prochaines destinations. Abidjan, Ouaga, Kinshasa. Donc, ça va. Bonne journée. Mon numéro WhatsApp, Sam. Non, si c'est pour me draguer, non. Désolé. Je fais du business. I am doing business. I am doing business. Abidjan, j'ai dit. Abidjan sera maxi 2 semaines. Maxi. Voilà. Prends le numéro sur ma page si tu veux la consultation. Consultation, c'est pour ceux qui se lavent déjà au sel. Qui ont déjà même acheté un de mes produits. Tu viens de tomber sur mes vidéos, achète un de mes produits d'abord. Un kit fondation de préférence. Ok. Bye. Merci Samia. Come on. I'm online.